la nature des sols. Vous devez réaliser une construction, une maison, un mur de clôture, un mur de soutènement, et vous souhaitez que cette construction soit bien bâtie. Vous avez donc un emplacement sur un terrain et décidez de construire pour le compte d'une entreprise, d'une collectivité ou pour un projet personnel. Avant cela, il faut mettre en avant des points de vigilance. La construction doit tenir compte des risques du terrain. Une mauvaise conception des fondations peut entraîner des fissures dans les murs et les planchers, des carrelages gondolés, des fenêtres qui ne ferment plus. Ces sinistres engendrent des travaux de réparation plus ou moins importants, pouvant aller jusqu'à la reprise des fondations. Les principaux risques sont des sols argileux qui gonflent en présence d'humidité et se rétractent en cas de sécheresse, des sols de mauvaise qualité composés de remblais et de cavités, Différentes natures de sol au niveau de la construction, un glissement de terrain, la présence d'eau dans le sol, une zone inondable, marécageuse, voire sismique. Une mauvaise connaissance des sols au niveau de la construction en est la principale cause. Pour éviter les sinistres, il est préférable de faire une étude de sol, dite aussi étude géotechnique, sur le lieu du projet. Un géotechnicien va réaliser en amont un sondage du sol. Des tests en laboratoire et envoyer un rapport ce rapport doit être transmis au professionnel de la construction qui doit en tenir compte pour la réalisation des fondations En résumé, une mauvaise connaissance des sols et des terrains peut générer des dommages dont la réparation engendre des coûts importants. L'étude de sol n'est pas obligatoire, mais elle reste conseillée pour éviter toute prise de risque, notamment en présence de sols humide. C'est le projet qui doit s'adapter au terrain, car le terrain ne s'adaptera pas au projet.